pratique. Donc pour chaque toile, je prends le temps au préalable de méditer pour vraiment m'apaiser l'esprit et pour pouvoir canaliser les messages des êtres lumineux. Donc ça peut être des anges, des archanges ou encore des guides de lumière. En tout cas, leurs messages sont toujours des messages d'amour divin inconditionnel. Et cela vous permet d'avoir une vie plus lumineuse, plus légère en fait, pour vous accompagner avec bienveillance sur votre chemin. Du coup, il n'est pas rare de trouver des traces de leur présence dans mes toiles. Cela peut se manifester par des visages ou encore des silhouettes. Et c'est normal, puisqu'en fait, en canalisant, les anges deviennent artistes et je ne suis que leur main. Donc, au dos de chaque toile, j'appose également une fleur de vie. Pour ceux qui ne connaissent pas, la fleur de vie fait partie des symboles de la géométrie sacrée. Et elle permet déjà de maintenir les pierres semi-précieuses que j'appose dans toute leur efficacité spirituelle et énergétique, mais également d'harmoniser les énergies qui sont extérieures à la toile et qui peuvent couvrir une surface allant jusqu'à 60 à 65 mètres carrés pour les toiles les plus grandes. Donc en fait, toutes les basses fréquences qui répondent à des sentiments de dépression, de maladie, de jalousie, de tristesse, voilà, toutes ces basses fréquentes en fait sont écartées de votre habitat grâce à cette fleur de vie qui agit vraiment comme un bouclier spirituel, comme un bouclier énergétique. Voilà, donc vous l'aurez compris, mes toiles sont très spirituelles, elles sont guidées, elles sont lumineuses et elles sont faites vraiment avec amour et bienveillance. Donc j'espère que ça vous plaira et j'espère à très bientôt. Thank you.